Alors, bonjour Claude Guévin, bienvenue au Pep Talk sur la route. Bonjour. C'est une première, je crois. Oui, exactement. Okay. Alors, juste pour t'introduire un petit peu, puis corrige-moi d'un terme, là. Bon, premièrement, tu es actuellement administrateur de différentes sociétés, mais oui. Anciennement, il n'y a pas si longtemps que ça, président du groupe Loutech. Et avant ça, CFO ou quelque chose du genre de chez Rona, c'est ça? En fait, juste avant mes 6 dernières années chez Loutech comme président, j'ai passé 24 ans chez Rona. Okay, donc, chez Rona, j'avais comme deux fonctions. Première fonction, disons, appelons ça, j'étais premier vice-président. Premier vice-président, disons, pour tout le volet de développement, soit les acquisitions. Okay. Ça m'a permis de faire, entre autres, 35 acquisitions un peu partout au Canada. À l'époque, il y a eu la grosse croissance. La forte croissance du fin des années 90, de l'année 2000. Et puis, j'étais également responsable du développement immobilier, donc recherche de sites, construction de magasins de grande surface au Canada. Okay. Ça, c'était un premier volet de mon travail. Okay. Le deuxième volet de mon travail, c'était chef de la direction financière. Okay. Donc, tout le volet, bien entendu, finance, administration, légale et les fameuses relations investisseurs, puisqu'en 2002, j'ai fait le premier appel public à l'épargne de Rona, qui a permis à Rona de devenir public. Et donc, de 2002 jusqu'à ce que je quitte en 2011, bien entendu, étant une compagnie publique, j'avais donc les relations investisseurs. OK, donc de la grosse administration. Alors, un champion là-dedans. Et écoute, le but du Pep Talk, évidemment, c'est de un petit peu inspirer les gens, si on veut. Alors, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi tes deux meilleurs secrets pour réussir dans une carrière? En deux minutes. Un, je dirais que pour réussir dans une carrière, pour réussir en affaires, il faut être un visionnaire. Il faut travailler sur le futur. Le court terme, c'est de l'action, c'est de l'opération. Mais toutes nos décisions à tous les jours sont dictées par notre vision du futur. Où est-ce qu'on s'en va? Donc, la chose la plus importante, je dirais, au départ, c'est d'être, quand je dis être visionnaire, finalement, c'est d'avoir une vision, d'avoir une vision à long terme, une perspective, où est-ce qu'on s'en va comme organisation. Okay. À partir de là, on définit un plan et nos décisions, par après, sont dictées en fonction de ce plan-là. Okay. Nos employés connaissent le plan, donc toutes les décisions, les gestes sont posés en fonction d'une orientation qui est bien prise. Et le long terme dans une organisation, quoi, c'est 3 ans, c'est 5 ans? Disons 5 ans. C'est 5 ans. Okay. Le deuxième point important, je dirais, c'est de s'entourer d'une bonne équipe. Okay. Moi, je dis tout le temps, tu ne seras jamais meilleur que la qualité de ton équipe. Donc, forme-toi une bonne équipe. Et puis, au niveau de la gestion, c'est bien important, écoute ton monde, écoute, fais participer tes gens, travaille en équipe avec eux, établis un plan, donne tes grands enjeux, tes alignements, mais fais en sorte qu'en équipe, tu détermines tes priorités, tes objectifs. Okay. Ça mobilise ton groupe. Les gens aiment être impliqués, veulent faire partie des prises de décision. Okay. Et de toute façon, dans une entreprise, quand on commence à grandir comme organisation, bien, on réalise vite qu'à un moment donné aussi, il faut s'entourer de gens qui ont des expertises dans différents domaines. Absolument. Donc, plus qu'on a une équipe multidisciplinaire, plus qu'on a une équipe forte, plus qu'on a une équipe autonome, mais plus que ça va faire le succès de l'ensemble de l'équipe. Puis je dis tout le temps, moi, le résultat d'une organisation, ça ne dépend pas d'une personne. C'est impossible. D'une équipe. On ne peut pas réussir ça. Non, bien, écoute, l'autre, c'est deux excellents conseils. On te remercie beaucoup. Les gestionnaires vont sûrement s'en inspirer. Alors, on va se reprendre pour un autre Pep Talk, c'est certain. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.